Un grand plaisir de me retrouver à Marseille, qui est toujours pour moi une ville de cœur. Ah, j'y ai des attaches personnelles, donc le bonheur de vous retrouver, d'y retrouver parce que vous allez peut-être vous lasser aussi. J'étais là l'année dernière déjà. Donc, je vous promets que je ne serai pas là l'année prochaine. Au-delà de ces apports personnels et amicaux et de ces rencontres humaine que l'on a l'occasion d'avoir, j'ai choisi, comme on en a discuté avec les organisateurs, de questionner un petit peu les apports de la culture de la paix et de la non-violence à la démocratie, parce qu'il me semblait que c'était une question assez intéressante. Et j'ai commencé à faire quelques recherches, je me suis aperçu qu'en réalité, il n'y a pas d'ouvrage, d'article, rien du tout sur la culture de la paix et de la non-violence et la démocratie. Il y a en revanche des ouvrages sur paix et démocratie. Un assez célèbre auquel je vous renvoie qui pourra répondre à quelques questions qui ont été posées tout à l'heure, qui s'appelle « Paix et démocratie » d'Alain Caillet, qui est une publication de l'UNESCO en 2003, qui parle justement des questions de la paix au niveau international et donc de la démocratie. Comment les démocraties peuvent exporter leur démocratie à travers la guerre, ce qui pose un certain nombre de questions. Ce n'est pas du tout ce dont je vais discuter ici. Je garde l'idée que je me positionne en tant que chercheur, en tant qu'enseignant-chercheur de sciences politiques et de militant de la paix. Vous savez, j'ai quelques engagements auprès du mouvement et auprès des instances nationales de ce mouvement. Donc la difficulté, c'est d'être, entre guillemets, dans cette posture d'intellectuel engagé que d'autres ont largement discuté et utilisé avant moi, et d'essayer de réfléchir à ces deux notions en les rapportant l'une à l'autre. Alors j'avais pensé vous présenter cela en trois temps. Tout d'abord faire un petit retour sur la démocratie, mais Stéphanie a fait ça tellement brillamment que je vais aller très vite et juste faire un petit lien avec la notion de néolibéralisme qui a été abordée mais qui me paraît être nécessaire car c'est un peu l'enveloppe dans laquelle aujourd'hui la démocratie se déploie. Le deuxième temps consistera à vous rappeler peut-être, mais très vite, puisque je connais l'intérêt que vous portez à la notion, rappeler un petit peu ce qu'est la culture de la paix et de la non-violence. J'ai par souci et par expérience l'habitude de toujours redire quelques mots sur cette notion parce que elle n'est pas si connue que ça finalement. On est dans un amphi où vous la connaissez, mais il arrive, vous le savez, de croiser beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout cette notion, et il me semble toujours opportun de rappeler au moins d'où elle vient et quels en sont les contenus très rapides. Je serai relativement expéditif là-dessus, mais il me semble toujours important de le redire, et c'est une petite manie des enseignants-chercheurs que de définir les termes qu'ils emploient pour pouvoir ensuite les discuter. Et puis le troisième point, justement, consistera à tenter de rapprocher, de faire dialoguer ensemble démocratie et culture de la paix, en essayant de voir en quoi la culture de la paix, telle que je l'aurais définie préalablement, pourrait apporter à la démocratie telle qu'on l'a vue aujourd'hui et telle que je considère qu'elle est en crise ou altérée par toute une série d'événements, par toute une série de pratiques. Bref, essayer de voir comment ces deux notions se rapprochent l'une de l'autre. Donc, c'est un petit peu autour de ces trois axes et je vais aller assez vite sur le premier. Deuxième petit élément pour vous situer d'où je parle, il s'agit ici que de réflexions personnelles. Elles sont celles d'un chercheur et d'un militant qui se questionnent, comme vous, sur comment on peut vivre ensemble en réalité. Je dirais même comment on peut mieux vivre ensemble. Et quand j'ai découvert, il y a quelques dizaines d'années maintenant, la notion de culture de la paix et de la non-violence, je me suis aperçu que c'était quand même un concept d'avenir. Un concept qui devrait être beaucoup plus discuté. À plusieurs reprises, tout à l'heure, dans les échanges, on s'est aperçu que les médias ne focalisent que sur ce qui n'est pas la paix, ce qui est donc la guerre, et je crois qu'ils auraient tout intérêt à reproduire et à discuter un petit peu cette notion et à en faire véritablement ce que moi je continue à appeler un paradigme de vie, parce que je crois véritablement que c'est une notion que l'on peut porter et qui peut nous unir. Alors ici, je sais qu'on partage assez fréquemment cet avis, mais ce qui est important, c'est de pouvoir convaincre et de discuter avec les autres, juste faire connaître. Et il m'arrive de faire un certain nombre de cours à Dijon, à l'Université de Dijon, notamment auprès des futurs enseignants. J'enseigne un cours qui s'appelle « Éducation à la culture de la paix et à la non-violence ». Les futurs enseignants, c'est-à-dire celles et ceux qui interviennent auprès des jeunes dans les collèges et ou dans les lycées,
en tant qu'enseignant disciplinaire ou CPE, il y a, allez, à 95% d'entre eux ignorent même l'existence du Conseil. Ce qui en dit long sur un texte qui a été signé par la France, sur un texte qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1998-99, même déjà en 1997, qui a fait l'objet d'une année internationale en 2000, d'une décennie internationale de la culture de la paix et de la non-violence à l'égard de tous les enfants du monde, eh bien on est encore en 2017, et même un petit peu avant, à une sorte de trou abyssal en termes de connaissances et d'appropriation. Parce que ce n'est pas tout le connaître. Ensuite, ce terme, il faut se l'approprier et le développer. Je vais essayer donc de vous faire partager ces remarques après ces deux petits propos préalables. Très rapidement, donc, dans un premier temps, qu'est-ce que j'entends par démocratie ? Stéphanie l'a dit à l'instant, donc je ne vais pas trop y revenir. Il y a deux niveaux néanmoins de démocratie. Le niveau institutionnel, les élections, la démocratie représentative et tout ce qui va avec. Et puis il y a un niveau un petit peu plus idéaliste, c'est aussi une forme de vie en société, la démocratie, une sorte d'idéal vers lequel on peut tendre, qui repose sur alors des valeurs, mais aussi des pratiques. Liberté, égalité, pour faire très rapidement, solidarité, respect de la diversité, et puis dignité, etc., etc. Toutes ces notions, tous ces deux niveaux sont en réalité confrontés à de très nombreux défis depuis maintenant plusieurs décennies. Stéphanie les a rappelés, donc je ne vais pas vraiment en revenir, simplement situer la démocratie à l'heure du néolibéralisme. Le néolibéralisme a sa propre culture, qui est une culture un petit peu, non pas aux antipodes de la démocratie ou de la culture démocratique, mais qui peut soit accompagner cette culture démocratique, soit la pervertir, la vider un petit peu de son contenu. Et ce sont ces valeurs que l'on connaît aujourd'hui qui ont irradié l'espace politique, notre espace politique, que sont par exemple l'individualisme forcené, que sont l'égoïsme, que sont les valeurs soi-disant prêtées à un supposé libre marché, et des valeurs très négatives ou un petit peu guerrières, telles que la compétition, la concurrence. Celles et ceux qui s'intéressent aux réformes autour de l'université verront que le langage universitaire a été abreuvé de toutes ces notions, de tout ce vocable, qui est aujourd'hui un vocable très, très entrepreneurial, très individualiste, très, pour moi, néolibéral. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a déjà un certain nombre de limites à la démocratie. Je considère qu'elle est altérée, certains disent qu'elle est en crise, d'autres disent qu'elle est malade. Les ouvrages auxquels, à nouveau, Stéphanie a fait référence tout à l'heure, les auteurs ont travaillé aussi sur ces questions de manière abondante, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais de ce point de vue-là, il y a un certain nombre d'indicateurs très évidents qui peuvent montrer que cette démocratie a besoin sans doute d'être un petit peu régénéré, revivifié. On a parlé de certaines procédures, je vais montrer justement les liens avec la culture de la paix et de la non-violence. Très rapidement, quelques indices. On a parlé tout à l'heure du rôle des médias. Alors il y a un chiffre qui est assez important, 85% des médias français aujourd'hui sont détenus par le lobby militaro-industriel. Comment avec ça avoir des délibérations à peu près organisées et des décisions ? Quand les médias donnent une seule et même information, qui est celle que l'on appellera, et c'est le deuxième élément qui, à mon avis, altère un petit peu la démocratie, qui entraîne la militarisation des esprits. On est dans une vraie militarisation des esprits, dans une dimension très guerrière des relations inter-individuelles, ça depuis 2001 avec la lutte contre le terrorisme, mais en réalité, bien avant. Ce sont ces deux premiers éléments. Le troisième élément, il a déjà été rappelé, le poids des lobbies et des instances supranationales, qui dans de très nombreuses décisions sont amenées à affirmer ces décisions sans avoir elles-mêmes, ces instances, lobbies ou instances supranationales, avoir été élues. Où est la démocratie ? Alors on fait allusion très souvent à l'Union européenne, bien évidemment pour ce qui nous concerne sur notre continent, mais il va également d'autres instances, notamment en Afrique, l'Union africaine, à des décisions que certains pays africains contestent, que certains peuples peuvent contester. Quatrième élément qui me permet de signaler que la démocratie est altérée, on parle souvent du fait que le droit des peuples est soumis au droit des affaires. Il me semble que c'est un trait caractéristique de tous ces accords de libre-échange, que sont par exemple le CETA ou le NAFTA, auxquels nous avons
à nous confronter avec cette idée qu'un arbitrage privé serait de nature à pouvoir redonner du pouvoir au peuple. Moi, j'avoue que je me pose un certain nombre de questions quant à cette assertion. C'est aussi pour moi un élément qui limite la démocratie. Enfin, deux derniers éléments pour aller très très vite. On en a parlé là aussi tout à l'heure, ce fameux délit de solidarité à l'égard des migrants. C'est quand même assez inconcevable que la solidarité soit considérée comme un délit à l'égard de personnes qui n'ont plus rien, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles sont là. Il me semble quand même que de ce point de vue-là, on a touché un petit peu du fond de notre pensée, de notre hospitalité. Dans ce sens, en réalité, il s'agit plutôt de la réduction des droits et des libertés français, pour ne prendre que notre exemple, mais c'est vrai avec le Patriot Act aux États-Unis, c'est vrai avec la même loi en Grande-Bretagne, au nom de la lutte contre le terrorisme, qui est une politique publique tout à fait à assumer, les droits et les libertés de tous sont réduits, puisqu'on joue la sécurité contre la liberté. Quelque part, ça a à voir avec la démocratie. On perdra les deux. Pardon ? On perdra les deux. J'ai pas entendu. On perdra les deux. Ah, on perdra les deux. Oui, ça, je suis un peu sourd de l'oreille d'une main. Oui, oui, tout à fait. Donc la sécurité et la liberté, c'est aussi quelque part une difficulté. Enfin, il y a deux dernières notions qui, ou deux dernières indices qui me font penser que la démocratie est altérée. Le repli identitaire, la xénophobie, le racisme et cette violence qui va avec me semble être aussi une caractéristique de cette démocratie altérée. Puis enfin, un peu à l'opposé, et en lien avec ce qui a été dit précédemment, ce que j'appellerais moi le conformisme politique, l'obéissance aveugle, la non-protestation quelque part, peut-être l'idée de ne pas désobéir ou de ne pas vouloir désobéir. Je reviendrai tout à l'heure, car il s'agit peut-être d'un point assez intéressant. Bref, vous l'avez compris, des indices qui montrent que la démocratie, finalement, au-delà de ce qui a été dit, au-delà des procédures, au-delà de son origine et de son potentiel émancipateur, car il ne faut pas le négliger, cette démocratie vécue à l'ère du néolibéralisme et de la culture du néolibéralisme me semble être gravement altérée. D'où le deuxième point, et je vais aller là aussi relativement. Il nous est, depuis quelques décennies, une dizaine d'années, un petit peu plus d'une dizaine d'années maintenant, possible de nous référer à un certain nombre de concepts. Le concept de la culture de la paix et de la non-violence en fait partie, parce que ce concept de la culture de la paix et de la non-violence est un concept qui propose une alternative à toutes ces logiques de guerre et toutes ces logiques de violence, dans la mesure où, en effet, rédigé d'abord par l'UNESCO, puis ensuite adopté par les Nations Unies, il propose une autre manière de vivre ensemble. Alors, je vais juste vous lire très rapidement la définition restreinte, et puis quelques éléments de la définition large, pour que vous voyez ce dont il s'agit. En 1998, les Nations Unies ont adopté une résolution qui définit la culture de la paix et de la non-violence comme un ensemble de valeurs, d'attitudes et de comportements qui, et il y a quatre éléments, reflètent et inspirent une interaction sociale et un esprit de partage fondé sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, sur tous les droits de l'homme, sur la tolérance et la solidarité, c'est le premier point, qui rejettent, deuxième point, la violence et s'emploient à prévenir les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes, le troisième point, à résoudre les problèmes par la voie du dialogue et la négociation entre les personnes, les groupes et les peuples. Quatrième et dernier point, à garantir le plein exercice de tous les droits et les moyens d'y participer pleinement au processus de développement de ces sociétés. Avec cette définition restreinte, on voit déjà assez aisément les liens qui peuvent être tissés avec la démocratie telle qu'elle a été définie tout à l'heure et telle que je voulais rapidement rappeler tout à l'heure. En 1999, les Nations Unies ont adopté une seconde définition beaucoup plus large, car il s'agissait non seulement de redéfinir un petit peu le concept, mais de lui donner un champ d'application et des domaines d'action sur lesquels il est possible d'agir. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments, mais cette fois-ci, on est dans la notion véritablement de la culture de la paix, qui se définit comme ça. La culture de la paix peut être définie comme l'ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie qui sont fondés sur, et il y a 8 ou 9 propositions qui viennent, le respect de la vie, le respect de la souveraineté des États,
le respect de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés, l'engagement à régler pacifiquement les conflits, les efforts déployés pour répondre aux générations futures, aux besoins des générations futures et actuelles, dans l'idée du développement dit durable, le respect et la promotion du droit au développement, l'égalité et, des hommes et des femmes et l'égalité des chances également, le respect et la promotion de la liberté d'expression, d'opinion et d'information, et enfin l'adhésion aux principes de liberté, de justice et au dialogue et à la compréhension mutuelle entre les peuples. C'est donc une définition particulièrement large. À cette définition est joint, un petit peu plus loin dans la résolution, 8 domaines d'action. Il s'agit d'utiliser ces 8 domaines d'action, et vous les connaissez puisque les organisateurs ont pris l'initiative, sur les 8 années qui viennent, de déployer cette culture de la paix à travers ces 8 domaines. L'année dernière, la non-violence, cette année, la démocratie, l'année prochaine, l'égalité entre hommes et femmes, je ne sais pas, etc., 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 pour arriver à avoir une vision globale. C'est donc ce que j'appellerais un concept holistique qui touche à toutes les sphères de l'humanité et qui a un intérêt, c'est qu'elle, cette notion, fait le lien entre tous ces niveaux. Il y a un vrai sens dans la définition. On a des concepts qui sont relativement identiques ou à peu près équivalents, mais qui ne font pas le lien, parce qu'on a l'habitude de scander les différents niveaux. On s'occupe du développement, puis de l'autre côté on s'occupe de l'environnement, on s'occupe des questions sociales, et puis à l'autre côté on s'occupera des questions économiques ou politiques. En réalité, le concept de la culture de la paix et de la non-violence tente de mettre tout ça en synergie et tente de montrer un peu sous l'effet papillon. Quand on bouge quelque chose quelque part, ça a des incidences de l'autre côté. Et ça, c'est véritablement son originalité. Et c'est peut-être aussi là, on touche du doigt sans doute, le fait que c'est un concept que peut-être les décideurs, les penseurs, n'ont pas très bien envie de voir arriver sur l'espace public, parce que remettant en cause incontestablement leur manière de penser et leur pratique, voire leur pouvoir. Donc du coup, cette culture de la paix, pour moi, est un concept qui mérite véritablement l'attention. Je disais que c'était un concept d'avenir. En effet, c'est un concept qui vise à la fois un objectif, établir la paix. Alors la paix en soi d'abord, la paix avec les autres ensuite, la paix entre les groupes de population, et éventuellement la paix internationale. Vous voyez qu'on a un projet ici qui est relativement important. Vous voyez bien aussi qu'on touche à tous les intérêts possibles et inimaginables. Et c'est à nouveau sans doute la raison pour laquelle ce concept est peut-être délaissé. Mais bien évidemment, il nous appartient de pouvoir le faire vivre et de pouvoir lui redonner complètement toute sa puissance. C'est aussi, à côté d'être un objectif, c'est aussi un processus, un chemin. Et c'est peut-être là également le deuxième niveau d'intérêt de cette notion, c'est qu'il propose quelques pistes pour y parvenir. Car bien évidemment, on est tous à peu près convaincus que la paix, c'est un état désirable, un idéal, hormis peut-être les vendeurs d'armes et les marchands de canons. Mais globalement, on aspire à peu près tous à la paix sociale d'une part, à la paix entre les groupes d'autre part, et la culture de la paix propose des chemins pour y arriver. C'est ce que certains auteurs ont appelé la paix positive, car la paix positive, c'est pas simplement l'absence de guerre, c'est bien sûr l'absence de guerre, mais c'est aussi la justice sociale. Car la paix sans la justice, c'est, j'ai l'habitude de le dire, l'institutionnalisation de l'injustice. Il est nécessaire que la paix soit couplée à la justice, quelle que soit la configuration du contexte dans lequel elle se trouve. Je pense à certaines sorties de crise toutes récentes. La Colombie, vous avez vu le processus de paix qui a été mis en œuvre. Pas très loin d'ici, le Pays Basque. On n'en parle pas beaucoup en France, du Pays Basque. C'est une sortie de paix, une sortie de crise relativement intéressante à étudier sur le plan de la culture de la paix et de la non-violence, notamment le rôle incroyable joué par la société civile. Nous, ce sont les membres de la société civile, Vika Videa, les faiseurs de paix, les chemins des faiseurs de paix, qui ont décidé d'aller récupérer les armes pour pouvoir les rendre aux autorités et ainsi permettre de poursuivre la réconciliation.
Ben voilà, on peut en penser ce qu'on en veut. Moi, il me semble que c'est quand même un chemin particulièrement intéressant. Donc c'est à la fois un objectif, un chemin. C'est également un concept que je vous l'ai dit holistique qui prend en compte l'ensemble des dimensions de la vie humaine. On a donc bien un nouveau paradigme de vie. Alors nouveau dans le sens où il nous faut connaître d'abord, le diffuser, nous l'approprier. Mais là, on répond simplement aux questions pourquoi. On ne répond pas à la question comment. Et bien comment, c'est nous qui pouvons décider comment utiliser cette culture de la paix et de la non-violence pour pouvoir en faire autre chose que ce que l'on connaît aujourd'hui, qui est quand même quelque part la culture de la violence et de la guerre, et donc l'opposition violente. Poser ainsi, d'un côté la démocratie, malade, altérée, en crise, comme on l'a dit, j'ai été très rapide, je m'en excuse, mais on pourra revenir sur cet élément si vous le souhaitez. De l'autre, la culture de la paix comme étant une possibilité, ce qui m'avait été un petit peu proposé pour aujourd'hui, et donc ce sont le fruit de mes quelques réflexions, c'est de faire dialoguer ces deux notions, de voir comment elles peuvent se rapprocher et qu'est-ce que l'on peut en tirer. Vous l'avez vu, juste en énonçant les deux éléments de définition, restreindre un petit peu plus large, il y a bien sûr énormément d'éléments qui se rapprochent, puisque dans la culture de la paix, la notion de démocratie est très fréquemment développée et revue. Comme il s'agit d'essayer un petit peu de faire ce rapprochement et de vous faire partager mes quelques réflexions qui sont sans doute inabouties, qui mériteront d'être discutées, mais c'est aussi le propre de pouvoir échanger avec vous que d'améliorer aussi nos propres réflexions, je procéderai à trois éléments, avec une réflexion un petit peu globale tout d'abord. Il me semble que la culture de la paix par rapport à la démocratie, par rapport à la démocratie telle qu'on l'a définie et telle qu'on vient de l'imaginer, c'est-à-dire une démocratie un peu malade, il me semble que la culture de la paix, c'est ce que je pourrais appeler une sorte de plus-value de la démocratie. Alors, je n'aime pas bien le terme plus-value parce qu'il est très connoté. Je dirais que c'est peut-être le supplément d'âme de la démocratie. C'est peut-être ce qu'il y a en plus des éléments fondateurs de la démocratie que sont la liberté, les droits fondamentaux, les élections, la participation. Et de ce point de vue, il me semble que trois éléments distinguent peut-être la culture de la paix et pourraient peut-être être des éléments, des axes qui viendraient renforcer cette notion de démocratie telle qu'on a un petit peu donné son cas. Premier axe, c'est ce que j'appellerais un surplus de valeur. Je vais m'en expliquer dans un instant et expliquer en quoi ces valeurs viennent ajouter aux valeurs de la démocratie. Le deuxième axe, et on a déjà un petit peu discuté, je vais le repréciser, je pense que la culture de la paix et de la non-violence est porteur de ce qu'on appelle la citoyenneté active. Je vais en donner quelques éléments, il y a deux canaux très principaux qui peuvent être mobilisés. Et puis, le troisième axe, c'est ce que, et on a terminé quasiment là-dessus tout à l'heure, c'est que je pense que la culture de la paix vise à réhabiliter le conflit, mais dans son sens productif du terme. Car le conflit ne doit pas être ignoré ou contourné, comme malheureusement trop souvent la démocratie tend à le faire, mais la démocratie gangrénée, si vous voulez, mais justement redonner au conflit toute sa dimension contradictoire et ensemble chercher les solutions. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de dire « voilà la solution, je vous conserve, voilà le résultat final de la décision ». Pour moi, il y a véritablement beaucoup de différences et je vais m'en expliquer autour de ces trois points. Je ferai une petite conclusion, mais j'ouvrirai mon propos en réalité pour aller aborder les rivages d'un autre concept que je vous livre tout de suite. Je crois que tout à l'heure vous l'avez même employé, c'est la notion de bien commun d'humanité. Parce qu'il me semble que la culture de la paix, c'est en fait un vecteur de bien commun de l'humanité. Je expliquerai comment j'envisage tout cela. Il fait très très chaud. Ah non, ça va. Premier point, donc la culture de la paix en tant que surplus de valeurs démocratiques. Je ne reviens pas sur les valeurs que l'on a vues et qui sont au soubassement et qui sont les principes mêmes de la démocratie. La culture de la paix, avec les définitions que je vous ai données tout à l'heure et auxquelles vous pouvez vous référer, sont assez concordantes. Mais il me semble que dans la culture de la paix, il y a au moins trois dimensions supplémentaires. La première de ces dimensions, la première de ces valeurs supplémentaires, c'est un axe très fort sur la dignité humaine, la reconnaissance de la dignité humaine. On est tous, avec nos différences,
des individus capables d'agir politiquement. Se départir de l'idée qu'on est incompétent parce qu'on appartient à une classe sociale qui est marginalisée ou qu'on est super compétent, à l'inverse, parce qu'on appartient à une autre classe sociale. La culture de la paix entretient cette idée, non pas simplement de l'égalité formelle, posée par la loi ou par une constitution, mais de l'égalité réelle, c'est-à-dire que dans une assemblée, eh bien, on peut tous prendre la parole, on peut tous s'exprimer et on peut tous avoir un avis intéressant. C'est pas évident. Rien qu'entre nous, des fois, au moment de la paix, la prise de parole, elle est fonction de la posture, de la stature, du symbolique qu'on a derrière telle ou telle personne qui prend la parole. Je ne parle même pas de la différence qu'il peut y avoir entre des nouveaux et des anciens, entre des femmes et des hommes. Ça, ça mérite un véritable effort, et je crois que tous, dans vos réunions, tous dans vos collectifs, tous dans vos comités, vous avez constaté tout ça. La culture de la paix est un très bon vecteur pour redonner la dignité humaine à un élément non négligeable. Et ce n'est pas simplement du vocabulaire très élevé, c'est de dire, ben voilà, je parle avec ce que je sais faire, d'où je peux parler. Ce n'est pas si simple que ça. Et on parlait tout à l'heure des classes défavorisées ou celles qui n'étaient pas sollicitées par l'univers processus. Bah peut-être leur donner les moyens de réapproprier cette confiance, de les reconnaître comme des partenaires. C'est facile à énoncer, vous le savez comme moi, c'est pas si simple que ça à faire. C'est le premier point, la dignité. Le deuxième qui est un petit peu connecté à celui-ci, c'est ce que appelle la culture de la paix et la non-violence, mais pas que, le principe de tolérance. Ce principe de tolérance, tout le monde peut le décliner de diverses manières. Il a fait tout simplement l'objet d'une définition, toujours par l'UNESCO, qui est un organisme qui travaille beaucoup sur ces questions, comme vous le savez. En 1995, il y a un discours sur les principes de la tolérance qui ont été proclamés. Et il y a vraiment là toute la richesse de la notion. Et on va voir qu'elle est complètement en ligne directe avec la culture de la paix et de la non-violence. Je ne vais pas en lire trop longuement, mais juste un point. La tolérance est le respect, l'acceptation, l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'être humain. Un peu ce que je viens de dire à l'instant. Elle est encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et la liberté de penser. La liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de croyance. La tolérance est l'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une d'ordre éthique, elle est également une nécessité politique et juridique. Et là, on franchit un cap. Et le dernier élément, la tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer à une culture de la et constitue à substituer une culture de la paix à une culture de la guerre. Si le lien là n'est pas fait directement avec la culture de la paix, on a un très beau complément. La tolérance, on peut aussi considérer que, de mon point de vue, je considère que c'est un supplément d'âme à la démocratie. Je ne dis pas que la démocratie dans son sens initial, dans ses pratiques, dans ses multiples définitions, n'est pas quelque part un lien avec la tolérance, mais il a été, ce lien, tellement noyé, tellement subverti par d'autres valeurs qu'on a tendance un tout petit peu à l'oublier. Je faisais allusion tout à l'heure au délit de solidarité. Tolérance et solidarité me semblent nécessairement liés. Enfin, troisième élément qui me paraît distinguer la culture de la paix et lui donner cette force émancipatrice par rapport à la démocratie, c'est le respect de la diversité culturelle. On se fait beaucoup de mots avec la notion de diversité, l'emblème de l'Union européenne, n'oublions pas, unis dans la diversité. Mais la diversité culturelle, c'est véritablement une démarche intellectuelle, une démarche philosophique, que connaissent énormément de pays, de peuples, de communautés, qu'on devrait pouvoir améliorer dans nos vécus ici en France et en Europe, mais qui est un petit peu en difficulté à l'égard du contexte géopolitique et international que l'on connaît. En réalité, la question de la diversité culturelle est liée à une philosophie qui en Amérique latine s'appelle la philosophie de l'interculturel. Alors si vous avez l'occasion d'aller lire, il y a un bouquin d'un Cubain qui s'appelle Fornet Betancourt, Raoul de son prénom, Fornet Betancourt,
et qui s'appelle tout simplement philosophie de l'interculturel, et qui prend le continent latino-américain comme exemple de cette interculturalité. Il ne s'agit pas de multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est les groupes culturels les uns à côté des autres. Là, l'inter, c'est la philosophie du lien, la philosophie du dialogue, la philosophie du avec. Et créer les conditions de cet avec et de cet inter, eh bien, c'est un vrai travail qui me semble être nécessaire si on veut parler de la démocratie comme un vrai projet politique. Cette éthique de l'inter, c'est aussi l'éthique de l'échange et de la rencontre. Et cette notion d'interculturel mérite incontestablement d'être réintroduite dans la démocratie si l'on veut tout simplement tenir compte eh bien, des réalités sociales auxquelles on doit aujourd'hui faire face. Et sans elle, il me semble qu'on affadit complètement nos moyens de réagir et d'agir avec les autres. Voilà très rapidement ces trois éléments que je qualifierais de surplus. Alors bien évidemment, il peut y en avoir d'autres. J'espère que les questions adviendront et on pourra en discuter. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention et partager des réflexions, c'est l'idée que la culture de la paix promeut aussi ce que l'on appelle largement, classiquement, la citoyenneté active. Vous connaissez tous la notion de citoyenneté, être titulaire de droits et de devoirs et de pouvoir en disposer dans un espace politique et ainsi participer à la vie politique. J'hésite pour la définition, mais c'est un petit peu cette idée-là. Derrière la citoyenneté active, il y a l'idée aussi, non seulement d'agir, mais d'être reconnu dans cette action. Et parce que l'on est reconnu, alors on reconnaît les autres. Et on leur donne la même capacité d'agir. Et donc, la culture de la paix, dans les différents éléments de définition, me semble complètement rejoindre cette perspective. Mais la culture de la paix, je vous l'ai dit, c'est un chemin. Et dans la culture de la paix et de la non-violence, il y a comment on y parvient. Et bien justement, comment on parvient à cette citoyenneté active. Alors, en lisant un petit peu à travers les lignes, en lisant et en se référant à tout ce qui a pu être fait en termes de travaux qui ont été mobilisés pour discuter de cette question, deux vecteurs principaux ont été retenus pour renforcer cette notion de citoyenneté active. Le premier vecteur, j'imagine, vous vient tout de suite à l'esprit, l'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge. L'éducation à la rencontre avec l'autre, à dialoguer avec l'autre, à trouver ensemble des solutions, à co-construire les cadres, par exemple un règlement intérieur d'un établissement, d'une classe, d'un collectif, que sais-je. Cette idée d'éducation, c'est ce que j'appellerais la formation initiale. C'est une éducation à des valeurs, c'est une éducation à des compétences, à des aptitudes, à des comportements, à des savoirs. Bref, pour celles et ceux qui travaillent peut-être avec des associations de l'éducation populaire, on retrouve en fait les fondements de l'éducation populaire. Travailler à ne plus avoir peur, être en capacité d'agir pour quoi faire, d'agir pour changer le monde. L'idée, c'est au moins de changer les relations immédiates pour pouvoir peut-être changer le monde, car derrière la culture de la paix, il y a sans aucun doute cette idée un petit peu forte de bouger les lignes et de proposer peut-être un autre monde, d'autres manières de vivre ensemble, je vous disais, de mieux vivre ensemble. Donc l'éducation, j'y reviens pas, je vais aller assez vite sur ce point, mais c'est un vrai chantier. Or, on est confronté à une difficulté. La France a ratifié et a signé cette résolution des Nations Unies, les trois mêmes résolutions des Nations Unies. Il ne me semble pas que ça ait été traduit de manière législative à ce jour dans une loi sur l'école, par exemple. Je mens un tout petit peu, je vous le donne. En réalité, il y a une petite disposition dans la loi de 2013, la loi que l'on appelle la loi Peignot sur l'avenir de l'école. L'article 70, là je vais être un petit peu juriste sur les bords, l'article 70 de la loi comprend une petite obligation pour les ESPE, donc les centres de formation des enseignants, qui invite, au-delà des formations sur le handicap, la gestion du handicap dans les écoles, l'accompagnement, au-delà de la diversité culturelle, au-delà de l'égalité homme-femme, au-delà de l'éducation à ce qu'on appelle les droits
les droits fondamentaux, les droits humains, au-delà de l'éducation à l'environnement, il y a une petite phrase, l'éducation à la résolution non violente des conflits. C'est pas beaucoup, c'est une petite entrée. C'est une petite entrée qui est vraiment minime, car quand on reprend l'historique de cette loi, c'est-à-dire quand on revient sur tout ce qui a été mobilisé en amont, depuis 2007, 2008, 2011, il y a eu des propositions de loi qui ont été déposées au Sénat pour l'essentiel d'abord, puis ensuite à l'Assemblée nationale, il y avait carrément un vrai projet derrière tout ça, avec l'idée même d'une université de la paix en France. Il y en a une au Costa Rica, il y en a une à Tokyo, il ne semble pas qu'il y en ait en France. Mais on a bien une école de la paix à Grenoble, mais c'est une association, c'est pas une institution financée par l'éducation nationale. Il y a bien dans certaines universités des modules sur la paix. J'enseigne à Évry, vous le savez peut-être, il y a ce qu'on appelle une unité d'enseignement transversal qui s'intitule la culture de la paix. À ma connaissance, c'est la seule université en France qui tient ça. Il y a quelques modules par-ci, par-là, mais il n'y a pas une vraie dimension sur la culture de la paix dans le monde universitaire, et alors encore moins dans le secondaire, et alors encore moins dans le milieu primaire. En revanche, il y a énormément d'expériences, énormément de petites niches où des enseignants, des formateurs ont pris l'initiative d'organiser ces discussions sur l'éducation à la culture de la paix et à la non-violence. Ça veut bien dire qu'il y a la compétence pour le faire. Ce qui manque, c'est l'institutionnel. Et là, on retombe sur la même question que tout à l'heure. Est-ce que l'institution veut véritablement changer son code de fonctionnement, son logiciel? On peut se poser honnêtement quelques questions. Voilà pour le premier vecteur de la citoyenneté active. Alors je pourrais m'en expliquer plus avant comment, etc., les techniques de non-violence en particulier peuvent être très utilisées et permettre aux enfants d'être dans une autre configuration et commencer dès le plus jeune âge me semble être nécessaire si on veut qu'ensuite les plus âgés puissent continuer sur ce rôle. Justement, le deuxième vecteur, c'est ce que j'appellerais la conscientisation politique. On a parlé tout à l'heure de politisation, c'est tout à fait la même chose. Comment être un citoyen actif si on est en difficulté pour agir politiquement, parce qu'on n'a pas accès à l'information, parce qu'on n'a pas envie d'avoir accès à l'information, parce que cette information, on la sait déjà de toute manière tronquée, on la sait déjà un peu erronée. Eh bien, la conscientisation, c'est un élément que la culture de la paix a apporté à plusieurs niveaux. Et là aussi, ce n'est pas le texte lui-même, mais les attendus et les ouvrages, les réflexions que certains auteurs ont voulu proposer. J'en décline quelques pistes. La première de ces pistes, c'est l'idée de décoloniser les esprits. Décoloniser les esprits pour pouvoir s'émanciper, justement, des contraintes, des dominations, des rapports de force. Le deuxième niveau que j'ai trouvé en lisant une artiste colombienne qui s'appelle Patricia Azura, elle parle de déconstruire l'imaginaire de la guerre par la culture. Déconstruire l'imaginaire de la guerre par la culture. Colombienne, donc, c'était très situé. Elle propose que la culture soit effectivement totalement ouverte au plus grand nombre et que chacun apporte à la culture ce qu'il est capable de pouvoir apporter. Et il se trouve, c'était vraiment une coïncidence, hier est sorti nationalement un rapport du CESE, du Conseil économique, social et environnemental français. C'est le Conseil économique, hein, qui a pris un E avec la réforme de 2008, et qui a publié donc en novembre 2017 un document, alors il fait 194 pages, hein, grâce, mais il y a un petit résumé, ça s'appelle vers la démocratie culturelle. J'ai trouvé la coïncidence du propos d'aujourd'hui avec cette notion-là particulièrement riche, et je vous livre juste la définition de la démocratie culturelle parce que je crois qu'elle est particulièrement parlante. Vous avez vu que j'utilise beaucoup de définitions, maintenant à vous de vous les approprier pour les mettre en mots. La démocratie culturelle vise l'émancipation des citoyens et citoyennes. Alors, c'est la fameuse grammaire inclusive, hein, bon, c'est comme ça, et au renforcement de la cohésion sociale.
D'une part, en offrant la possibilité à chacun des acteurs de participer à la vie de la cité et aux affaires culturelles, si ce n'est pas la culture de la paix. Et d'autre part, en permettant l'intégration et la coexistence de toutes les cultures. Que ce soit un organisme qui est quand même constitutionnalisé, hein, il y a quelques articles dans la Constitution française sur le Conseil économique, social et environnemental, qui propose ce rapport et qui donne une définition aussi enthousiasmante de la démocratie culturelle, il me semble que là, on a peut-être un instrument qui mériterait d'être un petit peu déployé. On va voir, je trouve que j'enseigne dans un master sur l'interculturel et l'international, je verrai si les étudiants ont eu connaissance de ça et comment on peut se l'approprier dans leur stage et dans leurs diverses informations qu'ils auront à donner. Ce que je veux dire par là, c'est que cette démocratie culturelle, elle peut tout à fait être vivante et elle peut être un lien considérable pour que, justement, on puisse se libérer. Vous connaissez cette maison d'édition qui s'appelle « Les liens qui libèrent ». Moi, je trouve le mot magnifique. Faire du avec pour qu'on s'émancie, pour qu'on se libère, peut-être de nos préjugés, peut-être de nos comportements, peut-être de nos pratiques. Parce que même militant de la paix, on peut avoir encore des pratiques qui ne sont pas complètement des pratiques pacifiées ou des pratiques non violentes. Mais, moi, je dis comme j'en dis, je ne suis pas né pacifiste ou non violent. Je suis devenu. Et je pense que toute ma vie, j'essaierai de. Mais c'est aussi dans mon métier d'enseignant que j'essaie de traduire ça dans des réalités, dans des actes, dans des comportements. Et quand on discute avec les étudiants, on s'aperçoit que ces petits mots qui n'ont pas l'habitude de recevoir de la part d'enseignants, eh bien, ça peut faire bouger un certain nombre de choses. Je ne suis pas idéaliste Léa, mais on s'aperçoit dans les retours que l'on peut avoir après que ça a pu permettre à quelques-uns de s'éveiller. Ben, j'estimablement que j'ai fait un petit peu mon métier en faisant ça, plus que simplement en donnant des informations. Troisième élément de cette conscientisation, et là je fais référence à un de nos, je ne sais pas comment on peut dire, à un de nos anciens du mouvement de la paix, Roland Veil, pour ceux qui le connaissent, vous aurez imaginé cet encadriste, avocat, le doyen du barreau de Paris, qui a l'habitude de dire que la citoyenneté active doit passer par la réappropriation du droit par les citoyens. J'ai quelques points de divergence avec lui, mais sur ça, je suis complètement d'accord. Le droit peut être un instrument de réarmement des citoyens. Et il cite allègrement deux textes. La Charte des Nations Unies, qui commence, ne l'oublions pas, par « Nous, peuple des Nations Unies ». Donc il nous appartient peut-être de faire quelque chose. C'est difficile, on en convient bien, on pourra en discuter. Et puis, tout récemment, il a commis une tribune dans un journal où il parle du fameux article 11 du pacte des droits économiques, sociaux et culturels de 1966. C'est ce qu'on appelle le droit opposable. Le droit opposable au logement, notamment. À partir du moment où la France a signé ce pacte, eh bien ce droit est opposable à l'État français. Sauf que, on ne s'en saisit pas. On ne s'en saisit pas suffisamment. Alors bien sûr, là, il faut être un petit peu compétent, procédurier, juriste bienveillant, ce qui n'est pas forcément la même chose que juriste tout court. Eh bien, ma foi, on en connaît. Roland Veil, de ce point de vue-là, est toujours de riches enseignements. Enfin, dernier élément de conscientisation, et là, c'est un petit peu sous le ton provocateur, mais je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça dans la culture de la paix et de la non-violence, aussi de l'humour, d'ailleurs. Au passage, on peut toujours l'utiliser. Il me semble que l'action en politique peut aussi prendre le chemin de la dissidence civique, c'est-à-dire de la désobéissance. Alors, je suis venu avec un petit bouquin, je n'ai pas l'honneur de connaître ce philosophe Frédéric Gros, mais je l'ai lu. Et je trouve que ce qu'il dit dans son bouquin qui s'appelle « Désobéir » est particulièrement intéressant. Je ne vais pas ici vous en faire une synthèse. Juste mentionner que la dissidence ou la désobéissance, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Vous le savez, Thoreau au départ, Gandhi par la suite, Martin Luther King, plus d'autres, bien évidemment moins connus, mais qui ont pu recourir à cette désobéissance, dans le sens où cet auteur se pose la question, c'est pas la question de savoir s'il faut désobéir, c'est la question de savoir pourquoi on obéit. Et quand on a répondu à cette question, alors la désobéissance va presque, non pas de soi, mais se comprend. Or, désobéir comment? Désobéir sur quelle base? Là, bien évidemment, le champ est relativement grand, mais signalons quand même, pour être tout à fait complet, que la désobéissance civique
qu'elle soit dans le cadre légal ou en dehors du cadre légal d'un État, par exemple, c'est une technique non-violente avérée, incontestablement. La non-violence peut ici être largement conjuguée, témoignée, témoigner d'un lien avec, avec cette idée de désobéissance, dans le sens où la désobéissance, c'est le moi politique qui parle. Je suis en capacité de raisonner, de décider que la loi, que le texte me paraît injuste et de ne pas lui donner son sens contraignant. C'est un peu ce que Thoreau disait quand il a refusé de payer les impôts. C'est un peu ce que Gandhi disait quand il refusait de se soumettre aux, aux colons britanniques. On ne les a jamais trop questionnés. On a dit, bah ouais, ça vient bien. Désobéir en démocratie, ça pose déjà tout de suite une petite difficulté. Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur ces questions. C'est en train d'être bien développé dans le mouvement un petit peu libertaire, un petit peu anarchiste, mais avec des pistes de réflexion assez intéressantes sur comment on peut être citoyen et agir, non plus simplement par la voie des urnes ou éventuellement par l'abstention, mais en désobéissant à un certain nombre d'attendus, on va dire. Certains vont jusqu'à dire que la désobéissance, c'est un civisme, le civisme de désistement. Le civisme de désistement, une dissidence civique au nom de l'idéal démocratique. Ça pose un certain nombre de questions, j'en conviens bien, mais il me semblait utile de pouvoir le mentionner ici au titre de ces moyens qui permettent à la citoyenneté d'être une citoyenneté active. Troisième et dernier élément de la culture de la paix en tant qu'apport à la démocratie, la restauration, la réhabilitation du conflit pour son aspect productif et qui permettrait de donner pleine puissance aux décisions qui sont prises. On en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais les démocraties ou les techniques démocratiques telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui ont tendance à nier le conflit. On dit bien qu'il faut trouver tout de suite un consensus. Des fois, il faut même imposer le consensus avant d'avoir discuté. Et du coup, le dissensus n'existe plus. Ou en tous les cas, il est mal vécu. On en a des preuves assez nombreuses. La culture de la paix et de la non-violence tend à réhabiliter le conflit comme étant un moyen, non pas d'imposer le consensus, mais de construire le consensus. Ce qui n'est pas complètement la même chose. Et de construire ce consensus avec l'idée que peut-être on n'y arrivera pas. Avec l'ouverture des possibles, en proposant que tous puissent participer à la construction de ce consensus, tous puissent avoir un rôle à jouer. Ce qui permettrait, alors je citerai ici deux auteurs, deux philosophes qui ont pas mal travaillé, on parlait tout à l'heure de Lazade, de Nuit debout, sur en tous les cas toutes ces configurations très particulières qui ont eu lieu. Il s'appelle Stéphanie Logier, j'ai perdu son prénom, Albert Logien, qui ont publié deux bouquins, coup sur coup. L'un s'appelle Principe démocratie et l'autre Antidémocratique. Antidémocratie, pardon. Et dans ces deux ouvrages, ils partent de l'idée que, en restaurant le conflit, on va pouvoir permettre de sortir du statut d'incompétent dans lequel de très nombreux individus soit ont été conduits, soit se sont auto-conduits. Et restaurer cette compétence de tous semble être un moyen de donner toute puissance au conflit comme moyen de faire un petit peu de la politique de manière nouvelle. Je citerai pour terminer sur ce conflit, et il y en aurait beaucoup d'autres à dire, un auteur américain qui s'appelle Saul Alinsky, A-L-I-N-S-K-I, un bouquin qu'il a écrit s'appelle « La démocratie radicale ». Alors, j'ai un petit peu changé sa définition, mais je me suis appuyé dessus quand même, parce que je la trouve plutôt intéressante, qui viendrait un petit peu conclure cet élément sur ce rapprochement et ce dialogue entre culture de la paix et non-violence, et démocratie, pardon. On pourrait dire qu'une véritable démocratie est en fait
un conflit permanent et évolutif, interrompu périodiquement par des compromis obtenus par la régulation non violente des débats. Il me semble que cette définition est porteur et riche d'enseignements et fait le lien un petit peu entre nos deux notions. Je voudrais juste, pour terminer, parce que je crois que l'heure passe très très vite, effectivement, un dernier point qui pourrait presque être un quatrième apport, mais qui est en réalité une sorte de montée en généralité, ouvrir un petit peu le débat, élargir le débat, et souligner que la culture de la paix et de la non-violence pourrait tout à fait, en réalité, intégrer la notion de bien commun de l'humanité. Mais pas le bien commun de l'humanité dont on nous sert un petit peu à satiété, et qui est un petit peu galvaudé parfois, mais tout simplement parce qu'il y a un texte qui existe, que vous connaissez peut-être, mais qui a été très peu diffusé. En plus, malheureusement, un de ses auteurs est décédé l'année dernière, François Houzard, qui est un collègue belge, qui a été en capacité de publier en 2013 un projet de déclaration universelle du bien commun de l'humanité. Vous pouvez le trouver, il suffit d'aller le rechercher sur Internet, il est même ouvert à la discussion, vous pouvez y faire des amendements. Bon, il vient de décéder, la procédure est un petit peu tombée à l'eau, malheureusement. Mais ce texte, quand il m'a été donné l'occasion de le découvrir et de discuter avec François Houzard, parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises, m'a véritablement donné à penser qu'en réalité, on parlait de la même chose, mais pas du même angle. Mais à la limite, pourquoi pas, puisque c'est ça, la diversité culturelle et la diversité intellectuelle. Et du coup, sans aller très très loin, je voudrais juste faire ici la démonstration très rapide qu'en réalité le bien commun de l'humanité est en fait au cœur de la notion de démocratie puisqu'elle utilise cette notion et qu'elle élargit la notion de bien commun de l'humanité le propos à d'autres considérations en partant de la planète en réalité jusqu'aux groupes et aux individus. Il y a quatre propositions qui sont faites. Alors je n'entre pas dans les détails, mais si vous voulez, je pourrais vous redonner des informations si vous le souhaitez. Et je trouve que la manière de présenter ces quatre propositions se connecte complètement et redonne un autre espace de discussion et qui mobilise notre humanité partagée, le fameux Ubuntu de l'Afrique australe, que je trouve moi particulièrement pas. La première proposition dans cette déclaration, c'est la nécessité du respect de la nature comme source de vie. C'est la dimension écologique. Il est simple d'y réfléchir. Si on continue à ruiner la Terre telle qu'on la connaît, eh bien, la vie sur Terre n'existera plus. Et pour nous, pacifistes, je m'inclus dans ces pacifistes, bien évidemment, une question est bien évidemment surgit tout de suite. La bombe atomique, le désarmement nucléaire. Pensons qu'avec les 1500 bombes nucléaires en capacité d'être activées aujourd'hui, nos discussions sont civiles, il suffirait que deux ou trois partent, et on connaît les tensions qu'il peut y avoir, on n'est pas bien sûr que les détenteurs de boutons sachent sur quel bouton il faut appuyer ou pas appuyer, nos discussions seront vaines. Rapportées à cette réflexion, notre humanité c'est quoi? Donc, préserver la planète comme source de vie semble être en effet un élément important. Le deuxième élément, et c'est là que peut-être la culture de la paix et de la non-violence était peut-être dans une zone grise un petit peu, moi j'identifie comme grise, mais on pourra en rediscuter aussi, c'est l'aspect économique, social et économique. Eh bien, dans la Déclaration universelle du bien commun de l'humanité, il est indiqué qu'il faut repositionner la production économique au service de la vie et de sa continuité. Dit autrement, s'il y a des économistes, substituer à la valeur d'échange, la monétarisation, la marchandisation, la valeur d'usage. Certaines communautés font ça très bien. On parlait tout à l'heure de toutes les possibilités qu'il existait d'échapper à la marchandisation et à la monétarisation du système. C'en est ici des dimensions, mais élevées au rang universel, tel que François Houzard pouvait l'imaginer. Troisième élément, et je vais très vite conclure, et ça revient à nos questions démocratiques, l'organisation démocratique comme base de construction du sujet individuel et collectif. La démocratie dans tous les niveaux. On a parlé de la démocratie culturelle, on pourrait bien évidemment parler de la démocratie économique.
Une revue britannique à laquelle je vous invite, américaine, pardon, à laquelle je vous invite d'aller aller voir un petit peu, qui s'appelle Popular Resistance, la résistance populaire, qui s'est mise en place en réalité depuis que Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis, une feuille de diffusion hebdomadaire, a tout un pan, il y a une dizaine de jours, sur la notion de démocratie économique. Les alternatives possibles à l'économie capitaliste, en recensant toutes les actions qui, aux États-Unis, se mettent en place et donnent à penser et à voir que l'on peut faire autrement, loin du discours de la pensée unique, bien évidemment. Donc cette idée que la production économique, non, j'en étais où là, la dimension démocratique, pardon, comme construction du sujet, je me suis un petit peu trompé, vous venez me pardonner, donc la production économique au service de la vie et de sa continuité, l'organisation démocratique comme base de la construction du sujet individuel et collectif. Et le troisième, le quatrième, je vais y arriver, il est temps que je m'arrête, hein, c'est ça, c'est l'interculturel dont on parlait tout à l'heure, l'interculturel en tant que dynamique de pensée et éthique sociale. L'interculturel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est conçu ici comme un moyen de travailler avec les autres, de se réunir, quel que soit ou au-delà de nos différences. Et de ce point de vue-là, le travail, comme j'ai pas mal travaillé sur les peuples autochtones il y a quelques décennies, le travail sur les peuples autochtones est riche d'exemples où, en réalité, ce qui est considéré des fois un peu comme folklorique, comme désuet, comme anachronique, est en réalité une véritable leçon de vie. En partant des individus, du groupe et des sphères environnementales immédiates, ainsi que les liens qu'il peut y avoir avec les ancêtres, avec le cosmos, on parle souvent de cosmovision des peuples autochtones, je ne dis pas qu'il faut nécessairement les réintroduire, mais je dis qu'on change tout simplement de moyen de réfléchir, et cet interculturel appelle bien évidemment à des réflexions beaucoup plus importantes entre les groupes et avec les groupes, les individus dans le groupe, les groupes entre eux, et alors les communautés plus larges. Je voudrais juste terminer par une petite équation, et oui, ça arrive, pas mathématique, je vous rassure, mais que l'on peut trouver, qui pourrait résumer un petit peu tous ces questionnements, et que j'ai l'habitude de donner comme ça pour essayer de lancer un petit peu la discussion. Elle est empruntée à un auteur américain qui s'appelle John Braunschild, Braun comme Braun, et puis Child, C-H-I-L-D-S, dans une revue qui s'appelle Social Justice, un numéro de 98, dont le titre était d'ailleurs assez intéressant, « Au-delà de la paix néolibérale ». Et lui, il a travaillé beaucoup sur les peuples autochtones, notamment les Indiens et les Amérindiens américains, et il termine un de ses articles en proposant deux équations. L'une qui résume un petit peu le système dans lequel on se trouve, en partant des peuples autochtones, bien évidemment, et puis l'autre, toujours en partant des peuples autochtones, l'idéal de vie, tel qu'il l'imagine et tel qu'il en est porteur. La première équation, c'est ainsi rédigée, homogénéité plus fragmentation, homogénéité plus fragmentation égale subordination. Homogénéité plus fragmentation égale subordination. Ça, c'est le résumé un petit peu de ce qu'on appelle le système mondial capitaliste, vu des peuples autochtones, mais en fait, en y réfléchissant, vu de tout le monde. Puis la deuxième équation, plus porteuse d'espoir, c'est un petit peu à concept renversé. Hétérogénéité plus coopération. Vous pourriez presque maintenant dire égal à quoi ? Liberté et résistance. Résistance à l'ordre, liberté pour tous. Merci beaucoup.